celebration. Let's unite for it. I wanna have fun and party all night. Wave your flag up in the air. Lose your mind like you don't care. I wanna hear you say, see you get ready, yeah. To support your faction, yeah. Gotta bring two jerseys, two. It's about to get dirty, yeah. About to fill your heart with amazing feelings, yeah. Let's all get crazy. When our team is winning, your flag side to side, you can rep it everywhere. Put your bottles to the sky, you can pop it anywhere. To the players on the field, you got supporters over there. Make sure you play for us, for you in here. Celebration, let's unite for it. I wanna have fun and party all night. Wave your flag up in the air. Lose your mind like you don't care. I wanna hear you say, ooh, 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 up. Let me hear you say, ooh, 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 up. C'est après avoir monté le calvaire que nos aventuriers vont devoir monter un autre obstacle, le campement. Toujours dans la bonne humeur et la joie de vivre, avec toujours une petite touche d'originalité pour chacune des habitations, ce campement sera précurseur de plusieurs autres événements de l'île par la suite. Écoute, c'est beaucoup d'abnégation, de travail. Ok, d'accord. Et donc voilà, donc l'attente en question, je vais monter une pièce. Nous fait visiter ? Bien sûr. Donc là, vous avez la terrasse. Non, excuse-moi. Là, c'est la terrasse. Ici, c'est la terrasse. Ok. C'est là. Bon, c'est pas encore fini, elle est en construction. Là, mon cours de montage, la terrasse. Ensuite, ici, juste là, la cuisine. Là. Vous avez le salon là et la chambre là. Ah ouais. Le salon et la chambre là. Bon, voilà. Et là, on a l'option hamac, c'est ça ? L'option hamac, ouais. Pour l'air. Pour l'air, comme ça, je suis à l'air libre, direct, je transpire pas. Maintenant, faut que ça tienne. D'accord. En gros, comment t'as dit, tu vas dormir dans une tente, t'as dit non, fuck, moi, je vais dormir tout seul. Ouais, c'est ça, moi, c'est mort, je suis hyper individualiste, en fait. Donc, voilà. Voilà, là, on est bon. Ça sert d'être grand. Ça sert d'être grand, comme on dit Sydney. Là, tu penses pas trop, léger. Et super. Ça marche bien. Ça fonctionne, ça fonctionne. On est là, t'as vu, tente 2 secondes, monter en 10 minutes. Mais les choses se passent, toi-même t'as capté. Votre serviteur est le premier sur les lieux des épreuves. Et par conséquent, il ne manque pas d'entretenir sa condition afin d'aborder au mieux les embûches qui attendent nos concurrents. Let's go ! Tout le monde se prépare, on y va ? Bienvenue à vous, chère tribu. Est-ce que vous avez passé une bonne nuit ? Oui. Très bien. Là, vous allez bien sûr passer à l'épreuve numéro 2, qui est une épreuve de rapidité. Je vous explique rapidement le parcours. Vous allez partir d'ici à mon top départ. Vous allez devoir contourner le cocotier juste ici. Vous pouvez passer au milieu. Rappelez-vous que le cocotier doit être à votre gauche, à vous de faire le bon choix. Vous allez faire le tour et vous allez arriver à cette bouée. Vous allez devoir la contourner. Rappelez-vous que le drapeau doit être à votre gauche. Après avoir passé le drapeau toujours en vitesse, vous continuez encore une fois à ce que la paillote soit à votre gauche. Comme vous avez contourné la paillote, vous passez ce pont juste ici, le pont sous les cocotiers. Après le pont sous les cocotiers, quand vous revenez ici, vous continuez à cette bouée juste ici. Vous la voyez ? Quand vous avez contourné la bouée,
Le premier arrivé ici, bien sûr, remporte sa position. Et je rappelle que le dernier a le droit d'éliminer qui il veut. Alors messieurs, soyez prêts. J'espère que vous êtes confiants. Il va devoir avoir beaucoup de stratégie, beaucoup de focus. Je vous souhaite une très bonne course. J'aimerais avoir votre ressenti sur la première épreuve. On va commencer par les vainqueurs, les Kayouli. Vous avez remporté la première épreuve grâce à Choupix. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à cette épreuve? 190 plombs, yo fâché. Ouais. Non, vas-y. On va donner le maximum pour cette nouvelle épreuve en espérant gagner une seconde fois. Et bonne chance. Et je vais demander aussi votre. Je vais demander aussi votre ressenti. L'équipe, la tribu rouge, les Waleri. Quel est votre ressenti par rapport à cette première épreuve que vous avez malheureusement pas pu remporter? On n'a pas eu la bonne réponse au bon moment malheureusement. Donc voilà, mais là cet après-midi, on va tout donner. Je rappelle que je suis assisté de mes généraux. Lovely, coach Jim et coach Yuri. Ils seront là bien sûr pour analyser s'il y a de la triche, analyser bien sûr si vous avez une foulure, une blessure, ils seront là pour vous assister. À mon top départ, dans 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Les deux tribus ne semblent pas calculer leur effort cette fois-ci. Il est vrai que les complexités de cette épreuve leur ont été révélées juste avant le départ. Seront-elles s'organiser ou du moins, laquelle s'organisera le mieux? La dominante physique de cette épreuve saute aux yeux. Néanmoins, une bonne gestion tactique et technique du parcours peut avantager de manière décisive l'issue de cette épreuve. Certains rouges se dégagent du peloton, même si les jaunes restent en bonne position. Le premier de chaque relais sera immunisé, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas être éliminé le tour suivant. Le dernier, quant à lui, pourra éliminer n'importe lequel des participants, sauf le premier. C'est donc un véritable dilemme qui se pose aux deux équipes. Migu mène la danse et semble contrôler son avance. Il en a sous le capot et manifestement, ce dernier sprint finira d'achever les espoirs des jaunes. L'immunité sera Waleri pour cette première manche. Cette première épreuve aura laissé des traces et il en reste encore. Les organismes sont marqués. Mamad semble avoir eu le temps de bien réfléchir à sa petite stratégie. Nous verrons rapidement si cela portera ses fruits. Même et l'idée de la vignée. Vraiment. Je pensais qu'à un moment je pouvais accélérer et je suis tombé, frère. Je suis tombé. Si, moi, tu m'as vendu là, mais combien de fois? Alors, je vois que vous êtes donné à fond, mais ce n'est pas encore fini. Il vous reste encore 4 tours. Je vais demander au premier de s'avancer car il est immunisé des autres courses. Migui, de Waleri,
positionne-toi juste derrière Coach Lovely. Livio, en étant le dernier de ton équipe, tu as malgré tout un atout dans ton short, dans ta poche, je dirais pas dans ta manche. Tu vas pouvoir éliminer soit un membre de ton équipe ou un membre de l'équipe adverse. À toi de faire ton choix. Tu as 10 secondes. Je dois nommer qui j'élimine là. Ok. Natic. Natic, tu es éliminé. Natic fait les frais de sa performance lors de la première épreuve. Logiquement, les Waleri décident de l'éliminer. Certains d'entre vous n'ont pas manqué de remarquer l'état critique dans lequel notre guest Nemo a terminé cette première épreuve. Force est de constater qu'il ne sera pas apte à renouveler cet effort à 4 reprises. Le staff prend une décision logique et irrémédiable. Nemo doit stopper cette épreuve sous peine de voir sa santé en pâtir. Nous avons un changement au niveau des participants. Malheureusement, Nemo ne pourra pas continuer cette course, donc il cède sa place à Giorgio, connu sous le nom de Livio. On y va, mon top départ. Dans 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Les équipes, cette fois-ci, connaissent le parcours, ayant eu quelques secondes pour mettre en place éventuellement une stratégie. Voyons si cela se confirme. Vince est parti comme une balle de fusil, semble avoir des difficultés une fois l'eau arrivée et son avance est complètement annihilée à la sortie du lagon. Les Waleri dominent cette épreuve et cette fois-ci c'est Negrito qui prend les choses en main. L'immunité lui semble tout acquise. Manu, félicitations, tu es immunisé pour cette course. Le dernier, c'est Mamad. Mamad, tu vas devoir éliminer. Nico. Voilà. Nico. Yes, I am. Ok, Nico. Tout comme Natic, Nico semble payer sa place lors de la première épreuve, mais manifestement, les Waleri possèdent bien d'autres atouts. Flags up!